talent et du cœur avec EuroShop Tournée. Je suis Atiane et c'est Fanny qui m'a donné le prénom d'Alexandre. Vous allez voir, Alexandre a quitté costume et bureau pour blouse et biquette. Alors Alex, on est où ici ? À Tienne. Tienne, c'est donc la chèvrerie du Tannet ici. Ouais. On a 45 biquettes. On s'est installé il y a 6 ans déjà maintenant. Ouais. Et donc, avec le lait de nos 45 biquettes, on fait essentiellement des fromages de chèvre et un tout petit peu de vente de lait. De lait cru. Donc là, voilà. On a vu, on est arrivé pile poil pour voir un petit peu la traite de quelques-unes de tes chèvres. C'est ça, la En fait, fin, ouais. ça fonctionne comment ? Tu les fais par petits groupes En fait, on a deux lots de laitières, hein. Ça dépend en fait de l'âge des animaux. Ouais. Et donc, on a plusieurs groupes à faire comme ça. Ça dure le matin à peu près 45 minutes. Après, le reste, ça suit son cours, mais c'est vrai qu'il faut commencer. T'es pas mal là quand même, t'es pas mal. Ouais, je crois. On a vu aussi les petites biquettes. On a vraiment envie d'en prendre une à la maison pour éviter de faire marcher la tondeuse et faire l'éco-pâturage. Notamment Plume, la plus belle. Voilà, je crois que je vais l'embarquer avec moi. Mais en fait, c'est vraiment très positif tout ça. Tu fais vraiment plein de choses et tu peux faire découvrir un peu aux écoles aussi. Ouais. Les écoles, on encourage les écoles, surtout du voisinage, à venir. Parce qu'on aime bien montrer ce qu'on fait. On aime bien que les enfants soient baignés dedans. Avec la banane du début à la fin. Souvent, tout le monde repart content. Ça m'étonne donc, pas. On fait et nous, une petite ça va visite être pédagogique principe. Et c'est assez sympa chouette. Et ludique, quoi. Ouais. Alors Alex, là, je suis OP là. C'est ça. T'as presque la tenue conforme. Et donc c'est parce qu'on est passé côté où tu prépares vraiment les fromages. Fabrication, voilà, c'est ça. Ouais. On est juste à côté des futurs fromages. Pour l'instant, ils sont pas encore en. Ils n'ont pas encore l'appellation fromage. On voit les formes déjà. Oui, on voit les formes. T'en as combien à peu près ? On fait 7 types de fromages affinés différents et un petit peu fromage frais. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire ça avec Aurore ? Parce qu'on voit Aurore, donc vous faites ça en couple. Oui, c'est vrai. On travaille 24 heures sur 24 ensemble. Et ça va, il n'y a pas eu de dispute. Mais qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire ça ? C'est incroyable. L'envie de faire ça, c'est qu'on travaillait déjà ensemble avant dans le même bureau. Et puis, humainement, on s'est un peu perdu là-bas et on ne trouvait plus vraiment nos valeurs dans notre ancien métier. Et on s'est dit, au point où on en est, à la rigolade, on s'est dit, on élèverait des chèvres, ce serait encore mieux et on retrouverait l'humanité avec nos animaux. Et finalement, il a suffi de changer de boulot, de se retrouver effectivement avec nos animaux, avec le plaisir de faire notre boulot et puis avec les gens pour qu'on trouve l'humanité qu'on avait perdue. Ça n'a pas été évident. On l'a fait tous les deux en même temps, c'est une grande force. Ouais. Parce que s'il y en avait qu'un qui l'avait fait, l'autre n'aurait pas suivi, vu la galère. Ouais. Aujourd'hui, on est à fond, tous les deux. Et puis j'espère que ça va durer. On va rester à fond. Bah, en tout cas, nous, on a envie, et j'ai même envie de repartir avec Plume. Plume, je crois que je vais l'embarquer. L'éco-pâturage, et je viendrai avec toi, tu pourras m'aider à faire la petite Si je revois Plume régulièrement, d'accord. Ok, on va négocier ça. En tout cas, si vous aussi vous connaissez des gens formidables ou incroyables, n'hésitez pas à vous laisser un petit message sur la page Facebook de Weo, et je me ferai un grand plaisir de venir à votre rencontre. Je vous dis à très bientôt sur Weo. Salut. Salut tout le monde, merci à vous. Talent et du cœur avec EuroShop Tournée.